Salut à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de Elvis fait pas ça. Veuillez m'excuser, j'ai plusieurs chaînes donc veuillez m'excuser. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto sur comment utiliser ce logiciel de montage. Veuillez m'excuser. Alors ça, c'est en fait un logiciel de montage que j'utilise pour toutes mes vidéos. Alors veuillez m'excuser déjà si la qualité de l'image est dégueulasse et que je n'ai pas encore installé de logiciel sur mon PC pour enregistrer depuis mon PC. Je m'en suis pas encore bien intéressé dessus, mais je vous referai une vidéo de ce style-là avec ce logiciel-là, quand j'aurai un logiciel sur mon PC pour enregistrer depuis mon PC. Donc là, je vais vous montrer comment utiliser ce logiciel-là suite qu'un ami utilise le même logiciel de montage et que il a un petit peu de mal à s'en servir. Donc là, je vais agrandir un petit peu de truc comme vous avez pu le constater. Alors, attendez que je regarde pour le nom exact. Donc moi, j'utilise comme logiciel de montage vidéo par NCH Solwar. Donc bon, je connais pas très bien l'anglais, donc veuillez m'excuser si je prononce mal, mais je mettrai le nom du logiciel en description. Ouais, bon, là veuillez m'excuser, c'est une série que j'étais en train de regarder sur Netflix. C'est Flash. Je suis à la saison 4, épisode 3. Donc allez, nous allons commencer. J'espère que vous allez voir quand même plutôt assez bien. J'ai essayé de faire un petit zoom. Ouais, là vous devrez mieux voir. Ouais, je pense que ça devrait aller mieux. Ouais. Bon, je pense que ça sera mieux. Je pourrais pas faire mieux. Veuillez m'excuser. Donc est-ce que vous voyez un peu ma souris? Donc le petit point blanc que vous voyez, c'est ma souris en train de se déplacer. Veuillez m'excuser, je vais essayer de centrer un peu. Je pourrais pas te faire de miracle, c'est le mieux que je peux faire. Donc vous allez au niveau du fichier là, donc ouvert. Donc là vous allez arriver là où il y a en fait vos dossiers. Donc là c'est pas le bon disque dur. Donc là on va aller sur je vais aller sur mon dossier Urbex World, qui est ma chaîne de Turbex et de paranormal, parce que j'ai une autre chaîne que je fais de l'Urbex, donc visite des lieux abandonnés, et ça m'arrive aussi de temps en temps de faire des enquêtes paranormales. Ouais, donc là, ça, tous les dossiers qu'il y a là, généralement, je les ai déjà faits. Donc, on va aller dans le disque dur là. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Veuillez m'excuser, hein, je suis en train de réfléchir en même temps à la prochaine Urbex. Pas la prochaine vidéo que je vais mettre le samedi prochain sur ma chaîne ouais, le moine l'Opex moine ou l'enquête du moine Ah, je vais mettre l'Urbex. Donc là je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais en fait là, la petite tache un peu foncée que vous voyez en train de bouger, c'est
Et ce que je suis en train de faire pour sélectionner les trois vidéos que vous voyez là. Voilà. Après, vous allez un peu en dessous. Voilà, je sais pas si vous allez voir. En fait, en bas à gauche, en bas à droite, veuillez m'excuser, vous avez ouvert et annulé. Donc vous faites ouvert et le logiciel va télécharger, il a téléchargé les vidéos que je lui ai demandé. Puis là, je vais refaire le même truc pour aller télécharger mon intro. Je vais aller dans le dossier ouvert, dans le disque dur où je l'ai rangé. Donc moi, je l'ai rangé dans dossier de tout, générique, Urbex Word. Puis là, bon, j'ai les trois petites intros. Donc moi, il y a l'intro qui est là, c'est l'intro de début. Et là, celui du milieu, c'est l'intro de fin. Donc je les sélectionne tous les deux. Et je fais ouvrir. Veuillez m'excuser, j'ai fourché. Donc voilà, il me les a téléchargés. Donc là, je vais en fait choisir le début de ma vidéo. Donc là, le début de ma vidéo, c'est celui qu'il y a là, ou celui qu'il y a là ici. Donc pas le premier, mais la deuxième, celui que je viens de sélectionner. Je vais le glisser en dessous. Donc là, vous voyez que je gigote. Je lâche le bouton de ma souris. Pardon, je viens de shooter sur mon trépied. Veuillez m'excuser. Par moment, je peux être maladroit. Donc là, bon, voilà, vous avez l'image et le son. Donc là, le son, on va s'en occuper après. Je distingue la petite traie verte que vous voyez là est assez faible. Donc ça veut dire que le volume n'est pas très très fort. Donc ça, on va s'en occuper après. Là, on va d'abord s'occuper à placer les vidéos. Donc là, après, je vais repartir sur la dernière vidéo qui est en bas. Donc mon intro. Là, je fais du principe. Même principe. Je vais glisser. Donc là, je vais faire pareil avec tous les autres vidéos. On va avancer d'abord la barre, je serai mieux. Hop. Oula, j'ai tout noir là. Et en y pensant, il faudrait que je m'adapte un peu au niveau de l'éclairage pour mes urbex. Voilà, donc là, on va repartir au début. Donc là, on va passer au truc un peu plus chaud, on va dire, aux choses sérieuses. Donc là, je vais partir sur en bas, totalement à droite. Il y a un petit endroit qui va me permettre de zoomer au niveau de là ici. Au niveau de là ici, ça va faire un petit zoomage. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, ça permet de faire un petit zoomage. Donc là, voilà, ça m'a permis de faire le zoom. Donc là, je vais m'occuper qu'est-ce qui est du son. Donc je vais dans un premier temps écouter pour évaluer comment le son il est, s'il est faible ou pas. Là, moi je mets automatiquement mon barre de son là à 25. Ça permet de bien entendre et de bien évaluer en même temps. Et ce jour-là, je remarque que j'ai dû avoir un problème au niveau de ma caméra. Je train. Ma caméra a légèrement buggé. Parce qu'il y a une légère traînée noire en bas. Donc là, on va se mettre à écouter. Donc, comme vous pouvez constater, il y a le son qui est, comme je traînais, qui est fort. Qui n'est pas fort, qui est faible. Veuillez m'excuser. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, il y a deux possibilités. Dans trois possibilités.
possibilité, veuillez m'excuser, pour augmenter le volume. Donc, soit vous mettez votre... Vous étiez où avant de venir ici? Bah, veuillez m'excuser. Tout le monde veut savoir. Il y a des tas de commérages dans la... C'est une publicité Netflix. Veuillez m'excuser. Les aléas du direct. Donc, revenons à un mouton. Donc, comme je vous disais, il y avait trois manières différentes. Et je vais vous les montrer. Donc, la souris, vous cliquez là où il y a la barre du volume. Là, là ici. Vous pouvez cliquer à deux reprises. Donc, qui vient vous afficher là ici. Après, je vais vous montrer une autre tactique, la deuxième. Vous avez là ici, alors tout en bas, là ici, marqué en bas à gauche, marqué FX. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez marqué amplifier. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez faire régler votre volume. Donc ça peut être de 0 à 400, si ma mémoire est bonne. Ouais, à 400. Voilà, attendez, je vais le marquer manuellement, ce sera mieux. Voilà. Ah oui, alors il y a encore, attendez, je crois qu'il n'y a pas 3, mais 4 solutions. Puis après, il y a la petite barre. Non, bah, oubliez qu'est-ce que je viens de vous dire. Il n'y a que trois solutions. Donc après, il y a encore une autre, un peu plus complexe cette fois-ci. Alors tout en haut, là ici, en bleu, comme vous pouvez constater, il y a marqué audio. Vous allez dessus. Attendez, que je dis pas de conneries. Ah non, alors oubliez pour l'audio. Là, ça, je me suis gouré par moi-même. En fait, c'est des options en plus, enfin, des effets en plus que vous pouvez faire. Donc, oubliez ce que je viens de vous dire. Donc, deux solutions. Donc, moi, qu'est-ce que je vous conseille, c'est cliquer à deux reprises sur la petite barre là, ici. Et après, vous allez diriger votre souris vers la petite ligne bleue. Puis, vous allez avoir un petit carré qui va s'afficher au niveau de votre souris. Et vous allez avoir un petit message marquant en bas position au niveau du réglage du volume. Et juste en bas sur la deuxième ligne, c'est marqué drain plus 5,30%. Donc ça va vous marquer le pourcentage en plus de pour au niveau du volume. Moi je vais le régler à 100%. Pourquoi? Vu le volume du son, ça il est extrêmement faible. Donc moi voilà, on va écouter pour voir si ça va. Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle. Donc là, comme vous pouvez constater, c'est encore assez faible. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On va partir sur la deuxième la deuxième solution que je vous avais proposée tout à l'heure pour encore augmenter un peu plus le volume. Donc c'est FX. Donc voilà, là il me remet pile poil sur le passage de là. Mais moi, j'aurais préféré FX. Ouais, attendez. Voilà, donc je vais vous remontrer depuis le départ. Donc, FX. Amplifié. Voilà. Là, je vais le mettre à 200 pour voir. Voilà. Et puis, on va écouter. Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle Urbex sur la chaîne. Donc, voilà, donc comme vous pouvez constater, là on entend beaucoup mieux. Voilà, donc là moi je vais passer aux autres séquences qu'il y a. D'abord, on va écouter. Ouais, donc là le son est extrêmement faible et moi j'avais remarqué que ça vient de me faire des clics, que j'avais déjà fait ce montage là la semaine dernière. Bon, pas grave, hein, c'est un tuto, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne.
Donc là, on va refaire du même principe. Cliquez deux fois sur la barbe. La barbe. Waouh! Veuillez m'excuser, sur la barre et pas la barbe. Voilà. Et même principe. On clique sur la petite ligne bleue, ou sinon ça va pas marcher. Et on règle selon ce qu'on a envie. Mais moi, je crois que jusqu'à 100%, ça devrait être mieux, mais pas assez, je le trains. Donc voilà, reprends. Donc là, actuellement. Ouais, donc c'est un peu qu'est-ce que je soulignais, ce n'est pas encore suffisant. Donc là, on refait FX, amplifié. Là, je crois que 150, ça devrait être bon. On va bien voir. Hop, on va réécouter. Donc j'essaie de ne pas faire des mouvements brusques. Car ça vibre, ça reprend. Donc là, actuellement, je suis sur une espèce de petit balcon. Voilà, donc pour moi, pour le passage là, c'est bon. Je peux passer au passage suivant. Hop. Donc là, c'est l'intro de fin. Oula, ça c'est mauvais, ça me fait peur pour ce passage-là. Ouh, on entend presque rien. Donc là, je crains que même que je vais monter. Alors, cliquez passage là, voilà. Cliquez deux fois sur la barre de volume et pas la barre de barbe. Voilà, on clique sur la petite ligne bleue, on dirige jusqu'en haut et bien au début, hein, pour préciser. Donc là, on va passer pour réécouter, mais je sais que ça va pas être assez. C'est encore loin d'être assez. Bah, comme vous pouvez distinguer, c'est pas suffisant. Donc là, FX encore. Amplifié. Donc là, on va mettre à 200 pour voir. Et je crains que ça va pas être suffisant. Voilà, on remet un petit peu au début. Voilà, j'espère que cette exploration vous aura plu. Moi. Donc ouais, il faut que je t'en monte encore légèrement. Et je sais pas, j'ai l'impression que j'ai chuchoté à ce moment-là. Alors de cette prise de cette vidéo. Donc là de 200, j'ai passé à 215. Et il n'en fallait pas beaucoup pour monter. Donc voilà, j'espère que cette exploration vous aura plu. Moi. Voilà, donc là. Pour le son, on vient de finir. Donc là, on va repartir tout au début. Voilà. Donc laissez-moi un peu réfléchir comment je vais tourner un peu le montage. Donc là, on va faire en fait ajouter des. Alors les effets, ouais, les effets là, je vais les mettre après. En train de réfléchir à un truc. Donc ouais, ça y est, je vois le truc. Alors on va retirer le message là, il va me perturber. Donc là, je vais dézoomer pour mieux voir. D'accord. Alors toi, je vais te retirer 2 minutes. Te remettrai à la fin. Donc là, je vais décaler un peu ça. Ouais, en fait, vous allez comprendre pourquoi je décale un peu ça. Voilà. On va mettre la petite barre rouge bien au début et mettre en pause. Je sais pas pourquoi il s'est enclenché, mon homme. Donc là, on va rezoomer un petit peu si le PC veut bien. Voilà. Donc là, je vais en fait ajouter un texte, un petit texte au début de la vidéo pour dire le nom du lieu. Du lieu que j'ai fait. Donc moi, je l'ai nommé le moine parce que ce bâtiment-là appartenait à des moines. Donc là, il y a deux possibilités. Donc, il y a ajouter un texte ou ajouter un titre. Donc, ajouter un texte.
m'excuser, j'ai mon épaule qui vient de craquer. Donc en fait, c'est différents formats. Donc il y a taper texte normal, après il y a texte dirigé vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Après il y a taper comme les machines à écrire, à taper à la main, les ancêtres, les vieux ancêtres des ordinateurs quoi. Après il y a mobilisation, donc ça doit être les écritures qui doivent venir du milieu qui passent sur les à côté. Après bon il y a la vague, donc c'est des structures qui vont vague et tout le petit ragnagna quoi. Donc ouais, après bon après il y a ouais, ajouter un titre, donc c'est à peu près les mêmes effets. Donc moi j'utilise généralement, moi j'utilise, je vais dans ajouter un titre quand j'ai un texte à taper. Donc moi je vais utiliser le premier, donc claque de texte. Voilà, donc je sélectionne texte de titre. J'efface. Non, je vais m'excuser, je vais poser un truc vite faire parce que c'est en train de me gêner, en espérant que le chat n'ira pas bouffer dans le casserole. Je suis en train de bouffer en faisant un montage de tuto, donc veuillez m'excuser le coup que je viens de donner sur le trépied. Je suis pas à l'aise pour filmer là. Donc là, je vais marquer le moine. Tout simplement. Voilà, très simple. Je fais entrer. Ah oui, là ça va pas fonctionner, ouais. Veuillez m'excuser, oubliez qu'est-ce que je viens de dire. Ce n'est pas entrée, vous faites la petite 3 qui s'affiche en rouge à l'écran. Vous cliquez dessus et là, pardon, j'ai attrapé le OK. Vous avez le texte juste là. Hop, donc moi je vais l'agrandir un petit peu. Donc comme vous voyez à l'écran, désolé, c'est marqué là ici le moine. Donc, je vais m'excuser si l'image n'est pas correcte. Je compte m'améliorer. Alors, là il est programmé, ouais. Je vais pas avoir des détails bien parfaits. Voilà, donc là il est programmé en 6 secondes et 247 centièmes. Donc c'est très bien. Donc là je vais en fait ajouter un effet donc audio. Donc là ce sera l'occasion d'aller dans audio, là où j'avais été tout à l'heure en début de vidéo. Donc effet audio. Là je vais d'aller dans ajouter des sons de NCH. Là ça charge et voilà des petites musiques qu'il y a là. Donc il y a des catégories, veuillez m'excuser, Blu-ray, classique, danse, rock et world. Donc Blu-ray, pardon, et world. Ne me demandez pas la catégorie de musique que c'est, je serai dans la capacité de vous le dire. Donc là, je vais le prendre dans la catégorie classique. J'ai déjà ma petite idée de son que je vais prendre. Il faut que je le retrouve dans tout le dallage. Parce que dans tout le dallage, il y a au moins une cinquantaine de. Enfin, cinquantaine, j'abuse. Une trentaine de sons. Donc là, il faut que je m'amuse à retrouver le son que je cherche. C'est pas encore celui-là. Je ferai qu'il m'a été sur les cons. Je vais mettre 2 heures pour le trouver. On a un oreiller pour bien dormir. Quoi, je sais pas si moi la musique classique ça me fait dormir. Hein. Je sais pas pour vous. Donc
Non, c'est pas encore celui-là, mais ce sera pour un prochain cours. J'ai envie de dormir. Vous me trouvez? Mais je vous dis ça. Bon, je retrouve pas la musique que je joue, on va pas s'attarder 2 heures pour le retrouver. Ah, j'avais une musique il y a 2 minutes qui plaisait. Il y a le téléphone qui s'y met là. Ah voilà. Donc quand vous avez trouvé votre musique que vous voulez, vous faites télécharger, qui est juste là en bas à droite, de la petite fenêtre qui est là. Vite de mon petit frère, t'auras du loulou, du drôle loulou, fais un drôle dodo, mon petit frère, t'auras du loulou. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie parfois? Voilà, donc quand c'est téléchargé, bah, il vous l'affiche directement. Il me reste qu'une barre. Donc là, on va mettre, voyons voir. Ben, fondu au blanc et on va faire ça sur toute la durée de la vidéo, toutes les petites tranchées de vidéo. Je vais m'excuser. Ah, là ça l'a mal avancé, voilà. Donc, on va ajouter à fondu entre l'introduction et l'intro. Là on va mettre on va mettre dissolution. Donc on pourrait que c'est des cellules qui se sélectionnent pour se séparer pour se resélectionner. Bon, je sais pas si c'est compréhensif qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc là on va mettre fondu à gauche, fondu. Oh là là. C'est même pas compréhensif leur truc. Enfin. Bon, on va mettre étanche. Non. Bon, on va mettre brisé. Voilà. Oh, il faut aller loin. Ouh. Ah, j'ai même pas regardé, ça faisait une demi-heure. Ah bah ça va, il n'y a que 16,13, donc c'est bon. Hop. Là, on va mettre... Bon, on va mettre retourner, voilà. Et on va mettre la petite dernière vidéo que j'avais retirée entre deux pour le mettre à la fin. Hop. Là, on va mettre... Enfin, là, on va mettre rouleau, l'effet rouleau. Là, on va le mettre sur environ 2 secondes. On va mettre 2 secondes 5. Voilà. Et voilà. Donc là, à la fin, je vais remarquer un texte. Donc là, on va retourner sur un cueil pour le truc là. On va aller sur ajouter un texte. Calque de texte. Re-effacer l'écriture de texte. Texte. Oh là, vous m'avez compris. Je supprime et je marque The Fin. De fin, voilà, tout simple, petit 3, hop, là il faut que je regarde si ça fait pas trop cliché ce bazar, donc là on est à 6,
16,21 677 centièmes. Là, on est à 16, alors 16 minutes 26 secondes et 73 centièmes. Voilà, on va dire prendre un petit chouïa. Voilà, là, ça devrait aller mieux là. Ouais, c'est mieux. Donc là, on va reprendre la musique qu'on avait tout à l'heure. Ouais, et de l'autre côté. Non, ça c'est fait vidéo. Voilà. Et on va refaire de même. On va le glisser et le mettre au niveau, à l'endroit souhaité. Donc moi, encore à la fin. Hop. Ah, là, j'ai mal cadré. Flûte de flûte de flûte. Voilà. Un petit effet. Donc là, on va mettre aléatoire. Donc ça va me faire la petite surprise. Hop. Donc là, voilà. Donc moi, tous les petits effets que je voulais mettre sur la vidéo, c'est fait. Donc voilà. Donc là, la vidéo que je suis en train d'enregistrer de l'intro, je vous mettrai un petit passage du bah, qu'est-ce que ça fait sur la vidéo. Donc allez, là je vais vous montrer comment on enregistre. Donc c'est, ça se dirige en haut là, ici vous allez sur exporter la vidéo. Donc bon, comme vous pouvez constater, vous avez plusieurs catégories. Donc c'est fichier vidéo 3D, donc ouais, je vais aller moins vite, fichier vidéo, donc ça va vous l'importer normal. Après il y a porter, afficher vidéo 3D, veuillez m'excuser. Donc là vous verrez en 3D la vidéo, donc là vous aurez besoin des lunettes 3D. Vidéo porte portable. Alors la vidéo portable, donc là ça concerne les petits, je sais plus comment on appelle ça, ça peut être Nido 3DS, bah, cette catégorie là où vous pouvez lire les vidéos. Après il y a 360 D-Thread vidéo fil, donc c'est en fait vous pouvez voir à 360 degrés. Après il y a vidéo sans perte, donc c'est en fait gravure sur une disquette, mais bon maintenant il n'y a plus tellement personne qui utilise une disquette. Et après il y a disque de film DVD, disque de données DVD, alors veuillez m'excuser. Après il y a séquence d'image, donc ça va vous enregistrer par image. Je sais pas si c'est compréhensible qu'est-ce que je suis en train de dire. Bah en fait au lieu de vous mettre en format vidéo, quand vous lisez une vidéo que c'est normalement, bah, ça va vous afficher une photo, puis à bout d'un moment une autre photo, et ainsi de suite. Après c'est importé directement sur YouTube. Bah, après il y a d'autres trucs, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, donc là je pourrais pas vous dire. Filquet, Probox, Google Drive, je crois que c'est importé directement sur Google Drive. Bon, après c'est sur le cloud, donc voilà, donc là pour le cloud et Google Drive, je pense c'est apporté directement dessus. Après il y a VMO, donc ça je sais pas. Après c'est associé d'exportation, donc là je sais pas ce que c'est. Assistance d'importation, veuillez m'excuser. Mais là nous il nous intéresse qu'un seul truc, c'est fichier vidéo. Vous cliquez dessus. Puis après sur la première ligne, c'est pour le titre de la vidéo. Donc moi je vais marquer alors Urbex
fenêtre ouvrante. Le moine, parenthèse fermante, voilà. Alors sur la ligne d'en dessous, donc c'est marqué enregistré au dossier. Donc là, vous avez le choix. Donc c'est soit sur votre disque dur interne de votre PC. Donc moi généralement je n'y touche pas, je laisse sur celui-là, ou alors vous pouvez le mettre aussi sur un disque dur externe, donc sur un autre disque dur de votre PC. Et vous pouvez même aussi vous connecter sur un autre, si vous avez la possibilité de vous connecter sur un autre PC, vous pouvez enregistrer votre PC, votre vidéo, donc importer votre vidéo sur un autre disque dur. C'est un autre ordinateur, veuillez m'excuser. Mais nous là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'importer sur le disque interne. Donc le disque dur principal, si vous préférez. Donc sur la ligne, troisième ligne, il y a marqué pré-réglage. Donc en fait, c'est la qualité de l'image de la vidéo que vous allez choisir. Donc moi généralement je mets les qualités de mes vidéos, je le mets en HD 1080p, c'est le bleu qui s'affiche, voilà. Alors après la quatrième ligne, format du fichier. Alors si c'est une vidéo, n'y touchez pas, c'est en format MP4, donc là il faut pas y toucher. Après vous redescendez encore sur la cinquième ligne, il y a résolution, donc là c'est marqué en résolution 1920 x 1080, le petit tiré, HD 180p, ça vous n'y touchez pas. C'est qu'est-ce qui correspond, alors la cinquième ligne, c'est qu'est-ce qui correspond à la troisième ligne. Donc ça, ça ne pas toucher. La sixième ligne, c'est mode d'écran large. Donc moi, je vous conseillerais de le laisser en Lestrix Box. Moi, je vous conseillerais de laisser dans ce format-là. Alors, septième ligne, si je ne me trompe pas, 2, 4, 6, ouais, septième ligne, c'est fréquence d'image. Donc, en fait, là, ça va être, c'est à peu près comme la troisième ligne, c'est la qualité de l'image. Donc là, moi, c'est marqué variable mini, 14.985 fps. Max 29.970 fps. Donc en fait, que ça soit un peu plus clair, ça sera en fait les espèces de pixels qui sera renvoyé vers vous, vers vos yeux. C'est encore la qualité de l'image. Donc moi, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller, c'est de le mettre en contract 60 fps. Ça en fait, ça augmente la qualité de l'image. Donc après 2, 4, 6, la huitième ligne, c'est marqué sous-titres. Donc là c'est superposition. Moi je mets toujours marquer les sous-titres. Alors superposition, ça va pas vous marquer les sous-titres lorsque vous le mettez sur YouTube, mais marque les sous-titres sur les vidéos. S'il y a sous-titres activés sur vos vidéos, vous le verrez automatiquement, les sous-titres sera marqué. En fait, quand vous parlez sur la vidéo, ça va être marqué automatiquement sur les vidéos.
Alors moi je sais que sur ma chaîne d'Urbex, il y a un malentendant qui regarde mes vidéos. Donc automatiquement je mets marqué les sous-titres. Comme ça, il comprend pas quelque chose, bah, il peut le lire. C'est une demande qu'il m'avait faite il y a un petit moment de ça, s'il y avait une possibilité de faire le nécessaire, qu'il y avait les tritures qui pouvaient être marquées. Donc j'ai fait le nécessaire pour accepter ça, ben, pour que je traite sa demande, pour que ça soit fait. Donc une fois que ben, les paramètres des fichiers d'importation est fait, ben, vous pouvez faire trait. Donc là, vous allez voir une petite fenêtre qui va s'ouvrir en marquant fil d'exportation. Et il va vous donner en même temps le pourcentage de la vidéo traitée. Donc là, il est à 1,5% de la vidéo traitée. Et il va vous donner le titre en même temps. Là, il va être un peu plus détaillé. Là, il m'affiche le nom de la vidéo. Donc Urbex, le moine. Après marqué point MP4, ça c'est tout à fait normal, le point MP4. Il va me donner la résolution de la qualité de l'image. Donc 1920 fois 1080p, 60 FPS. Donc là c'est le titre et qualité de l'image. Après sur la ligne d'en dessous du point de chargement que vous voyez, bah de l'avancement de l'importation de la vidéo, c'est marqué position de la vidéo et il vous marque, bah en fait là il m'affiche quasiment 1 minute 40 et de brouettes de vidéo traitée, donc c'est la vidéo qu'il a traitée. Qu'est-ce qu'il a déjà traité? Donc le temps de la vidéo qu'il a traité. Voilà, je sais pas si c'est compréhensif, veuillez m'excuser. Donc veuillez m'excuser si cette intro est intro pas cette intro mais c'est vu comme on dit déjà ce tuto est un peu mal fait, c'est ma première intro, donc veuillez m'excuser si c'est un peu mal expliqué, si je fourche beaucoup et si c'est mal filmé, surtout je m'en excuse, c'est une première. Donc j'essaierai de vous la refaire dans l'avenir. Pour que ça soit mieux expliqué et d'une meilleure qualité d'image que ça. Donc allez, moi je vous laisse là. Je vais pas vous laisser tout de suite. Je vais vous montrer. Je sais pas si j'avais ajouté des effets sur celui-là, mais je vais vous donner un arrière-goût. Quelle vidéo a été traitée? Ça donne ça. Bonjour à tous, on se retrouve pour une Ça donne toute plus ou moins nouvelle ça. Urbex. Donc là, veuillez Donc m'excuser, une c'est un peu nouvelle normal si ça bug pour autant. film chez Carré. Donc là, nous sommes en train de faire un on va Bah là, faire ça a clairement fourché, veuillez m'excuser. un vieux manoir. Non, pas manoir, pardon, excusez. Un vieux. Ouais, ça, c'est le PC qui a bugué. Je vais essayer de l'avancer un petit peu. Veuillez m'excuser encore pour le coup que je donne sur Un, deux, trois soucis, sur le donc la tapis. batterie. Voilà, on va bien avancer. Voilà. Bon, ça veut dire que cette pièce, elle a été un petit peu plus épargnée par le temps Donc et voilà, c'est ça de l'urbex. le squattage. Déjà, vous savez qu'est-ce que c'est de l'urbex? C'est visite des lieux abandonnés. Voilà. Donc voilà. Donc bah, maintenant cette vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne d'Urbex World. Bah, la vidéo que vous voyez, bah, que vous avez vu, le montage va sortir samedi qui arrive. Donc le samedi 2 octobre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne d'Urbex World. Pour ceux bah, qui aiment bien les Urbex et bah, les enquêtes paranormales. Donc, de moment,
Dans 2 semaines, c'est l'enquête paranormale du moine qui va sortir. Si tout va bien. Et n'hésitez pas d'aller vous abonner sur la chaîne, sur ma chaîne de le gaming du Nord. De moment, je vais aller faire un live très bientôt. Donc, allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager en masse. Ça me ferait sincèrement plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Elvis fait pas ça. Bisous.